m'adresse d'abord à cette compatriote malinquée qui vous a insulté. Parce qu'on dit, l'enfant est le reflet de sa famille. Tout à fait. Déjà, ça c'est une réponse, ça c'est déjà un signe qui montre que dans notre communauté, l'éducation n'a pas atteint son objectif. Si vous n'aimez pas la personne, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas la regarder. Elle a montré que vraiment, que les descendants, je ne sais pas, parce qu'on dit que l'enfant est le reflet, est l'ambassadeur de sa famille. Donc déjà, nous les Malinké, moi je suis Malinké. Père Malinké, mère Malinké de Sigiri. Ma mère vient de Fatoya, mon père vient de Sigiri. Nous sommes, depuis 1992, jusqu'à là où nous sommes à la base de beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de bêtises. Moi, je ne suis pas sur Facebook, je n'avais pas l'habitude de vous écouter. Mais à un moment, je me suis dit, écoutez, je vais regarder celle-là, je vais voir ce qu'elle dit, je vais l'écouter. Moi, mon meilleur, c'est la personne que j'écoutais, plus qu'un imam, je dis bien plus qu'un imam, c'est Malik Camara. Aux États-Unis. Oui. Parce que si Malik Camara parle devant moi, c'est comme si vous me faites descendre le Coran. Parce qu'il n'est pas de bonne ethnie, mais il dit la vérité. Il dit la vérité. Et vous aussi, vous dites la vérité. Les gens qui vous insultent, mais vous savez, madame, même Dieu, il y a certains qui l'insultent. Oui. Il y a des CAF, il y a des prédits galeuses, il y a des ratés, il y a des inspecteurs de palais. C'est-à-dire des gens déracinés, des renégats qui sont dans ce monde, qui ne connaissent même pas où ils vont. Puisqu'il y a des baudets, les gens sont mieux que ces gens. Nous, les Malinkés, il faut qu'on sache notre complexe d'infériorité. Pourquoi on est contre les peuples? Pourquoi on est contre les soussous? Pourquoi on est contre les autres? Pourquoi nous soutenons Alpha Condé dans ses bêtises? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas Alpha Condé, c'est nous les Malinkés. Si on se rend compte, beaucoup d'erreurs, ce n'est pas Alpha Condé, c'est nous les Malinkés. Alpha Condé nous a insultés. Les cadres Malinkés sont malhonnêtes. Et on est là, on l'applaudit. Madame, moi je connais Malik Camara, je suis prêt à mourir sur son chemin. Voilà un homme vrai. Voilà un homme sincère. Vous, je ne peux pas en parler puisque ça serait une flatterie. Je ne suis pas un griot. On dit, la seule chose que j'ai à vous dire, les Malinkés doivent savoir que vraiment, nous sommes orgueillés dans le vide. On est contre les peuples. Il n'y a pas une ethnie sage en Guinée plus que les peuples. Il n'y a pas une ethnie intelligente en Guinée plus que les peuples. Il n'y a pas une ethnie intolérante en Guinée plus que les peuples. Il n'y a pas une ethnie qui amène la sagesse plus que les peuples. La religion, c'est des peuples. Le courage, c'est des peuples. Mais au temps de Sékou Touré, combien de personnes, combien de peuples ont péri au Camboiro? Sans suite, plus de 50 000 personnes. Autant de Dadis, c'est la vérité que je vous dis. Kenny Diallo, c'était l'Africain le plus intellectuel. Bari Diabadou III, Bari III, pour ne citer que ceci, voilà nos cadres qui pouvaient nous mettre au-dessus de tous les pays de l'Afrique. Mais ces intellectuels-là ont été piétinés au Camboiro. Ils n'ont pas droit à la vie. Ils ne sont pas des humains, ils ne sont pas des Guinéens. Qui a fait? Nous les Malinkés. Nous les Malinkés. Et au temps de Dadis, qui a organisé les Sékouba Konaté et autres? Combien de peuples ont péri au stade 28 septembre? Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de jugement. Madame, Allah est au-dessus de nous tous. Oui. Quelle que soit la religion, on doit avoir une croyance. Nous les Malinkés, on doit pouvoir se concerter. On ne s'aime pas entre nous. Nous venons en basse-côte. Les soussous nous ont accueillis, nous ont montré tout. Mais j'ai constaté que quand tu vas dans un Malinké, dans un village, le Malinké va dans un village, on lui donne une parcelle, il a besoin de tout le village. Regardez bien ce que Dr Mohamed Diané fait. Regardez bien les Brema Condé. Parmi tant d'autres, toutes les erreurs, vous n'entendrez pas. C'est nous qui la victoire de la partie. Donne à César ce qui appartient à César. Est-ce que vous comprenez, madame? Tout à fait, je vous écoute. Il vous écoute, tout le monde vous écoute. Moi, je suis de l'IFDG. Avant, j'étais de Alpha Condé, 100%. C'est-à-dire, mon cœur et âme, mais quand j'ai vu que c'est un farfadé, c'est un fanfaron,
puisque les qualifications me manquent pour cet abruti, je me suis dit que non, ça ne peut pas aller. Je suis parti vers celui qui aime la Guinée. Voilà ces deux personnes, c'est Loutalen, Sidia. Mais nous, les Malinkés, on ne veut pas écouter la vérité. On ne veut pas comprendre la vérité. On ne veut pas se regarder en face. Et après, on s'est dit, Ang Bansane, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné quoi? Rien. Ah, mais Ang Bansane, Anya de Talanogonte. Qu'est-ce que ça nous a donné? Rien. Que les ennemis seulement. Le seul Malinké qui avait aimé la communauté Malinké, c'était Mamadi Diawara. Que Dieu l'accompagne au paradis. Amin, amin. Mais aujourd'hui, les Sigirinka, les Malinké, certains, je dis bien certains, ont fait tout au bienfait du monsieur. Il a construit plus de combien de mosquées? Plus de 300 mosquées en Haute-Guinée. Mais aujourd'hui, on tend la main à son ennemi, à l'ennemi de la communauté, Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas guinéen. Alpha Condé, c'est un homme qui est venu accidentellement en Guinée. Mm-hmm. Les Malinké, on doit savoir, aujourd'hui, tout ce qui se passe en Guinée, nous sommes à la base. Regardez très bien, insulter quelqu'un qui se permet d'insulter Kountigui, un sage, il s'assoit dans les bureaux des ministres Malinké et insulter une communauté, insulter la femme de ce Loutalen. Je parle de Boumar Ouloukoum, excusez-moi, je parle de Oulada. Écoutez très bien, ça c'est pas l'habitude d'un Malinké noble. On est là en train de mentir, dire Alpha Condé, non, tu n'as pas été reconnaissant avec nous. Alpha Condé nous a découvert, c'est un étranger qui est venu dans notre diaspora. C'est un étranger. Mais il a su que cette ethnie a été manipulée et est une ethnie manipulatrice. Manipulant, oui. Peut-être demain et après demain, certains vont vous appeler pour vous dire que le monsieur qui a appelé me compare à n'importe qui ou à n'importe quoi. Ou dire de n'importe comment. Madame, continuez votre dossier et votre. Comment ça s'appelle? De ceux qui parlent de mandat d'arrêt là. Mais ils n'ont qu'à s'arrêter eux-mêmes. Ils n'ont qu'à se laisser castrer. Pardonnez-moi d'abord. Ce que vous dites là, vous êtes là en train d'aider tout un pays. C'est pas aider les Malinkés, les Soussous, les Peuls. Je veux qu'on respecte les Peuls. Ils sont les braves à l'étranger. Ils sont les braves. La Guinée, si ce n'était pas l'arrivée de Alpha Condé, avant il y avait ce Sanangounia. Aujourd'hui, ça ne va pas. La dépense, je vais aller voir Nafla Guillaume. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ma dada ne travaille pas. Ou bien ma salut ne fonctionne pas. Je vais voir mon Malinka Guillaume. Aujourd'hui, je vais aller voir mon petit Soussou pour qu'il me donne 1 kilo de poisson. Alpha Condé est venu, il a détruit ce pays, il l'a mis dans la merde. Et aujourd'hui, il fait face à ces mêmes Malinkés. Il dit, les vieilles voitures. Alpha Condé était là à la porte d'Italie. Je connaissais Alpha Condé. À la porte d'Italie. Il n'a jamais pris un seul jour une voiture. Il était entre les métros. Certains ne connaissent pas Alpha Condé. Ça fait 53 ans que je suis. Je connais bien Alpha Condé. Un fouga. Un pays donc, désespéré. Voilà. Donc, madame, la seule chose, si aujourd'hui la Guinée est en retard, il n'y a qu'une seule ethnie qui doit prendre conscience. C'est nous les Malinkés. Mm-hmm. Je suis de Sigiri, de père et de mère. Parmi les plus grands notables de Sigiri. Je sais, j'ai vécu le temps de Sékou, le temps de Dadis. Mais écoutez, il n'y a pas un président qui a porté malheur à la Guinée plus qu'Alpha Condé. Alpha Condé est venu en 2010, la Guinée a été suspendue du pèlerinage à la Mecque, parce qu'il y avait Ebola. En 2015, Alpha Condé est venu, Ebola nous a suivis. En 2020, aujourd'hui, la Guinée a été supprimée encore de la Mecque par le coronavirus. Depuis qu'Alpha Condé est venu, il y a que la succession de malheurs. Mais les Guinéens ne prennent pas conscience de ça. Partagez. Dans nos ambassades, dans nos ministères, il n'y a que des prostituées. Il n'y a que des ratés. Il y a de ces blogueurs comme Mo Madi Souma, comme Malik Kamara, Malik Sans Frontières, comme M. Souleymane Kondé, comme Fadiga, pour ne dire que comme M. Adia Mamounatoulaye, comme vous, comme Moussa Takakoudou. Voilà, parmi tant d'autres, nous vous rendons hommage. Regardez très bien, ceux qui sont en prison, est-ce qu'ils ont leur place? À 90%, ce n'est plus. Ouais. Ceux qui sont en prison. Ouais. Regardez bien, l'UFDG, prendre Ousmane Kawal, l'amener en prison, Chérif ou pas, des pertes de famille, leur crime c'est quoi? Dire que la Guinée est mal dirigée. Mais madame, où vous avez vu ça dans le monde? Le pays là où tout est permis. Un Français burkinabé vient faire la loi, comme s'il n'y a pas d'homme dans ce pays-là. Non, mais c'est parce que il y a quelqu'un, vous savez, quand votre bouche est remplie d'arachide, s'il y a une graine pourrie là-dedans, vous allez vomir tout.
La Guinée est remplie de beaucoup d'ethnies. Pas tous les malinqués, mais il y a certains malinqués qui ont aidé à détruire la Guinée depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à nos jours. Ce sont leurs enfants aujourd'hui qui sont avec Alpha Condé, les Kassori, des Pandi, des Raté, des Fiou. Les qualifications me manquent. Les larrons. Comment je peux dire? Et aujourd'hui, si vous voulez avoir une place à la primature, vous amenez une belle femme chez Kassori, excusez-moi beaucoup, il suit le décret sur ses fesses. Et après, maintenant, c'est là dit maintenant qu'il y a mon copain qui est là, ou bien il y a mon mari qui est là, ou bien... Mais la Guinée vit de cela. Oui, plus de combien de conseils auprès de Kassori? Plus de combien de conseils auprès de Fakoli? De Kassori, du moins. De Kassori. Ce sont leurs copines qui viennent. Il y a le copinage. Quand oui. Vous venez devant Kassori, une belle femme, il fait le, lui signe le décret sur les fesses des femmes. Ces personnes-là, ces abrutis, ce sont ces hommes sataniques qu'on nomme chez nous comme Premier ministre. Vous entendez? Et Malik Kamara, quand il parle, on l'insulte. Mais tous ceux qui l'insultent, ils ne se connaissent pas. Ce ne sont pas des vrais Guinéens. Tous ceux qui vous insultent ne sont pas des vrais Guinéens. Moi, je ne les écoute même pas. Un chromosome, mais vous n'avez pas le noyau. Les gens qui se sont fait dribbler par un Burkinabé français, qu'est-ce qu'eux vont dire? C'est des abrutis, je ne peux pas les écouter. Non, mais madame, l'abruti, je vous dis que le boudet est mieux que ces gens. Puisque l'âne, quand même, quand vous mettez le bagage, il a une destination, il suit. Mais ces gens-là, ils ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont. Donc, continuez votre travail. Continuez vos actions. Je vais continuer, Inch'Allah. Sauf si Dieu ne veut pas dire. Les gens qui vous disent qu'ils ont le mandat d'arrêter, ils n'ont qu'à venir nous arrêter ici. Nous sommes en Belgique et autres. Nous sommes dans un monde. Ni quand Sigilé et Toubaboula, qu'on le fait, les bains Sigilé et Toubaboula. Sinon, chacun n'est mieux que ce soit. Chacun n'est mieux que ce soit. Oui. Mais aujourd'hui, il y a combien de Guinéens dans la Méditerranée que les baleines, les poissons se sont amusés avec? Tous ces ministres-là, tous ces gens de Mamaya là. Mais vous avez dit que vous n'aimez pas les peules. Vous tuez leurs peuples, vous tuez leurs chèvres, vous tuez leurs moutons, et vous mangez. Moi, c'est une ethnie. La haute Guinée doit savoir que la religion a été importée de Fouta. Fouta, c'est un endroit sage. Fouta, c'est un endroit béni. Fouta, quelle que soit la durée, quelle que soit, Dieu rendra la vérité. Oui, ça vient. Ça vient. Rendra la vérité. On a commencé à comprendre. Les Soussous nous ont accueillis en basse-côte. C'est une ethnie des grands hommes. C'est une race des grands hommes. Ils nous ont accueillis. Donc si alors quelqu'un il s'assoit sur ces deux ballons pour insulter quelqu'un qui est plus sage que le président de la République. Alpha Condé n'est pas un président de la République. Alpha Condé, c'est un chef de clan. Sékou Touré est devenu normalement aujourd'hui un bar, restaurant. Donc, regardez bien dans nos ambassades. Partez et dites à quelqu'un dans nos ambassades d'écrire aujourd'hui pour vous le verbe prévoir au substantif présent. Ils ne pourront pas parce qu'ils sont venus par la signature, par le décret signé sur les fesses de leur copine ou bien de leur soeur. Quand vous demandez, vous envoyez un dossier. Moi, qui vous parle, j'ai été. En 2012, avec quelqu'un, avec trois personnes, trois Européens, c'était pour faire un projet laitier en Guinée. Mais le projet laitier, là, le dossier a été abandonné. On était obligé de faire face au Sénégal et le dossier a été accepté. Et aujourd'hui, il y a l'autosuffisance alimentaire. Madame, quand vous venez dans un ministère, Mbessa, quand Mbessa, il m'a président Todi. Mais ça, c'est quoi? Quand vous venez à l'ambassade, les gens, ils sont là en train de faire crac, monter. Mais partez dans les ambassades sénégalaises, partez dans les ambassades ivoiriennes, partez dans les ambassades. Guinée-Bissau qui est là, à côté. Mais madame, les gens, ils ont le civisme. Oui, il y a la discipline. Il y a la discipline. Rien ne peut aller sans la discipline. Oui. C'est en Guinée que tu vois... Un colonel donne l'ordre à un caporal. Le caporal dit que je refuse parce que ma soeur vit avec un Kassori. Mais sans cette discipline, où on peut aller? Ou bien trafic d'influence. Mais il n'a que tu as affaire à qui? Mais tu ne sais pas que je suis la femme du ministre? Ou bien je suis le chauffeur du président? Tu sais qui je suis? Ça s'arrête. À 90%, c'est chez nous. En Bansané. Mais il m'a l'occasion de pouvoir là.
le camp de Ségoutoué, qu'est-ce que ça nous a donné? Et tandis que les gens ont les lèvres sèches, ils n'ont rien à manger. Mais partout au Sénégal, de Dakar jusqu'en Casamance, vous voyez comment la discipline est. Les Casamances sont disciplinés. Ils ne vivent que de leur sueur. Ils sont éduqués. Les Sérères, la même chose. Vous partez chez Ambalo. Alpha Condé, il n'y a que ses enfants qui l'entourent. Ça ne le gêne même pas. Alpha Condé, même s'il sera dans sa tombe, on va lui casser. S'il a un mandat d'arrêt contre vous, donc moi aussi, le mandat d'arrêt, là, ils n'ont qu'à m'envoyer la copie du contre vous. Donc, c'est ça. Merci. Puisque c'est Fakoli. Merci. Donc, Donc, je laisse la place aux autres. D'accord. Merci donc, beaucoup. Non, c'est vous seul aujourd'hui. C'est bon. Là. C'est, la boucle merci. Est bouclée. Vraiment, ouais. merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci. C'est très enrichissant. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège, vous et votre Transmettez famille. Transmettez mes salutations sincères à Malik Camara. D'accord, je vais lui dire. Mes salutations sincères à Tata Koudou. À tous les bons Guinéens. Bon, partagez la vidéo, ils vont voir. Parce que je n'ai pas le contact de tout le monde. Nous sommes très ravis de vous. Merci. Il y a même Abdoulaye, Doussou Kondé. Nous sommes ravis de vous. Et vous, Marie Sissoko, on est ravis de vous. Merci. Ouais. Fadiga, on est ravis de vous. Comment ça s'appelle? David, Camara, de Belgique, on est ravis de vous. Il faut partager, personne ne peut vous bousculer. Ah, ils ne peuvent pas. C'est qu'ils disent ici. Alpha même ne peut pas me dire ça. C'est un trafic d'influence. C'est un trafic d'influence. S'ils veulent avoir la paix, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont qu'à libérer les opposants qui sont en prison. Moi, j'ai mon frère. On va même laisser ça. Moi, j'ai mon projet, j'ai mon plan. J'ai ma stratégie. Je suis en train de travailler dessus. Les gens là pensent que moi, je... Vous pensez que moi, je m'amuse? Hein? Vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez rien compris. Tout ce que vous avez arrêté là, c'est des fausses alertes. C'est des fausses alertes que vous avez arrêtées là. Les vrais trucs vont venir. Il ne faut pas... Non, les vrais vont venir. On ne voit pas une montagne derrière une montagne. Un jour, le vrai président de la Guinée vit en Guinée. Un jour, vous allez garder cette phrase-là. Le vrai président de la Guinée vit en Guinée. Un jour, il va ramasser ces poussins-là. Il leur dépose devant des éperviers qui vont les croquer. Moi-même, je viendrai ces jours-là. Je vais envoyer le billet d'avion à Malik Camara. On n'a qu'à se rencontrer et venir danser vraiment sur le dos de ces abrutis. De ces dinosaures. Ils ont pillé la Guinée. Cette bande de malfrats. Vous ne pouvez pas respirer aujourd'hui à Sigiri. J'étais là-bas, ça ne fait pas encore 6 mois, madame. Vous ne pouvez pas respirer. Il y a de la poussière. Et c'est même Sigiri qui a dit que, en Bansane, tandis que madame, pour avoir une mangue avant, Sigiri c'était le fief de la mangue. Oui. Mais aujourd'hui, si pour avoir même un œuf, une omelette dans les ordonnances à Sigiri, il faut ramener. Parce qu'il n'y en a pas. Si vous préparez une omelette à côté, le voisin sent l'odeur, il dit ce qu'est une sauvage. Mais Alpha Condé, que vous avez dit en Bansane, le troisième mandat, quoi un coup fatal. Mais vous êtes en train de vivre en fatalité. Wallahi. Madame, c'est incroyable, ça, on dirait que c'est une maladie. Quoi. La prise de conscience, c'est nous les malinqués. C'est nous. Parce qu'un autre prophète ne viendra pas d'une autre ethnie pour venir nous parler de nous. Pourquoi Dieu a créé ces prophètes parmi les Arabes? Mais s'il avait pris, par exemple, un Malik Camara va en Arabie Saoudite, dit à ses Arabes, ils vont le lapider, ils vont dire que non, quitte devant nous. Oui. Mais le prophète a pris, Dieu a pris les prophètes dans leur race. Oui. Conseiller. Donc j'en fais partie. Il faut que les Guinéens comprennent. Il y a beaucoup de Malinké qui sont cadres aujourd'hui, ils ont leurs copines acheté des appartements à New York, acheté des maisons en Belgique. Beaucoup. Il y a quelqu'un qui a écrit une bêtise là. Un jour, j'ai appelé, moi je suis franc, j'ai appelé Toumani Sangaré. J'ai dit Toumani Sangaré, la Guinée est en train de piller. Voilà des malinqués. Toumani Sangaré, il n'a jamais eu un seul jour de Pâques. Je lui ai dit, j'ai son numéro de téléphone. Il m'a dit, ah ok, là, tourne la partie là. Je lui ai indiqué que certaines personnes, certains transitaires, qui sont les malinqués, mais qui sont là aujourd'hui en train de travailler dans la drogue et dans les armes. Il y a quelqu'un qui avait pris la conscience pour aider la Guinée. C'était qui? C'était sous, comment ça s'appelle? C'est lui, anti-drogue là. Comment il s'appelle? Camara là, comment ça s'appelle? Et le colonel Kéboro. Il était sur la bonne voie.
Il était sous la bonne voie. Mais madame, vous êtes le seul, la seule bergère parmi les abrutis. Mais arrivé à un moment, vous allez perdre l'équilibre. Donc, pour dire cela, je connais. Je peux aujourd'hui détailler tous les cadres guinéens. Alpha Condé dit on va faire des élus. On dit sur quoi? Ah. On dit sur quoi? Lui-même, il est une fraude. Alpha est une fraude. Comment une fraude peut auditer une fraude? Non, c'est pourquoi aujourd'hui... On prend les gens. Le gars, là, il méprise trop les Guinéens. C'est le côté-là qui m'énerve. Non, il n'a pas méprisé. Il est aidé par un petit groupe. Oui, c'est ça, c'est vrai. Un petit groupe fanfaron, Soussou, et un gros groupe fanfaron, Malinké. Vous entendez? On ne peut pas prendre 12 millions d'habitants ou 13 millions d'habitants en otage par 20 personnes. Mais ça, c'est quoi? Ils disent qu'ils vont aller voir la Mecque. C'est seulement en Haute-Guinée qu'on a vu qu'on fasse le caca sur le Coran dans les mosquées. Wallahi, wallahi. Vous n'avez pas vu ça au Fouta? Vous n'avez pas vu ça au Fouta? Si on avait fait ça au Fouta. S'ils avaient fait ça au Fouta, les peuples allaient souffrir madame, encore. Madame, les Guinéens doivent vous comprendre. Trop hypocrite, trop méchant. C'est méchant. Les peules ont une qualité exceptionnelle. Quand tu fais avec le peul, madame, au nom de Dieu, il va mourir à ta place. Mais il ne te laissera jamais quand tu dis au nom d'Allah. Mais les malades doivent savoir. Mais pourquoi ces intellectuels ont péri? Quel idiot, la manière dont on l'a pris, les malades savent. Il était seulement en train de faire un sacrifice de famille. Et le nom de famille, on est venu lui prendre. L'amener au Cambouaro. Madame, c'est ça. Il y en a qui ont été pendus devant le 8 novembre, devant moi, au pont 8 novembre. À 90%, c'était des peuls. Mais les peuls, là, ils ne méritent pas la vie. On ne peut pas reconnaître leur sagesse. Ils leur font peur. Ils sont valables et capables, c'est ça, ils ont peur. Mais les malinqués ont tenté, madame. On a fait deux fois, rien n'a donné. Si on met Sekouba Konaté, le traître qui a vendu le pouvoir. C'est pourquoi il est là aujourd'hui en train de trébucher dans le monde, sans cause. Mais il faut qu'on prenne l'exemple sur les autres qui nous entourent. On dit que si tu ne sais pas danser, il faut regarder le pouvoir de danse de ton collègue. Tout là, vous allez partir. Mais on est là, quand on finit, on dit que non, Angbansane. Quand on voit les peules, on dit, ah non, c'est des traîtres. Ce ne sont pas des traîtres, c'est nous qui sommes traîtres. Oui, oui, quand tu mets dans la tête que ton prochain est traître. Ils ne sont pas haineux, madame, c'est nous qui sommes haineux. Tout à fait. Tandis que nous sommes les plus grands abrutis. Nous sommes les plus grands abrutis. Dans la fonction publique, quand vous tombez sur eux, ils sont là, ils franfrent avec la veste fatiguée, la sueur sans lumière. C'est vrai, ils aiment les vestes en plus. Les vestes bas de gamme là. Pouf. Voilà. Mais madame, c'est vrai. Je vous dis, moi je suis parti à Dalaba, à l'université, chez un vétérinaire de Dalaba, faculté, chez un vétérinaire de Dalaba. Je suis tombé sur un malinqué. Il a voulu bloquer le dossier. Mais je suis tombé sur un peu. Aujourd'hui, il n'est plus en vie, docteur Bari. Il a dit, mon frère, on fait comme ça. Mais madame, lui seul, parmi les hyènes, où il peut aller? Il ne peut pas. J'étais avec deux Français et un Allemand. Mais rien n'a donné. Moi, je suis là, je coupe la Guinée-Bissau sur quoi? Je suis un vétérinaire. Mais quand j'ai accepté de conjuguer avec des animaux, pourquoi pas des êtres humains? En tout cas. Donc, moi, je rends hommage aux peuls, je rends hommage aux soussous, aux forestiers, leur discipline. Certains malinqués qui sont parmi nous, qui sont en train de nous détruire, ils n'ont qu'à arrêter. Il y a combien de ministres qui sont venus de Sigri? Mais aujourd'hui, madame, vous ne pouvez pas respirer, même si vous mettez le climatiseur. J'ai été à l'hôtel Dioma, à côté de l'aéroport, mais madame, je ne pouvais pas dormir. Deuxième nuit, je dis, c'est pas la peine, je remonte à Bamako pour prendre mon avion. La facile, moi, je suis là. Incroyable. Non, mais ça, c'est vrai. Après, on dit, non, Alpha Condé, pas la baragne à toi, la baragne là-bas. Mais le point qui, avant, entre Cancan Sigiri, madame, je vous dis une chose, entre Cancan Sigiri avant, on pouvait faire 3 jours pour traverser le fleuve de Liba et le fleuve Bafi. Mais qui a mis le pont là? C'est celui-là même qui a mis le pont. C'est celui d'Alain qui a mis le pont. Et aujourd'hui, on l'interdit la route Guinée. Il n'est pas Guinéen. Mais madame, la reconnaissance doit être au-dessus de tout. C'est celui d'Alain qui a fait aujourd'hui. Vous pouvez quitter Cancan, venir danser à Sigiri et retourner le même jour sur la moto, sur la mobilette, dans la voiture. Mais cet homme-là a prouvé. C'est celui qui a fait que le Guinéen pouvait réviser même, franchement, dans la rue, il y avait de la lumière. Le pays était géré.
Mais le reste, là, c'est quoi? Et après, on dit, si nous n'entrons pas à Tokuno, il n'est pas à Guinée. Si je vois Yene Kaba, qui est une malinque pouille, qui dit que le drapeau de RPG est là en Guinée, est-ce que lui-même, elle-même, elle sait comment elle vivait en France? C'est-à-dire, ce groupe-là pense que nous avons les yeux fermés. Le groupe-là pense que la Guinée va continuer comme ça. Madame, ça ne va pas d'ici fin 2021, je vous le jure, au nom d'Allah, Alpha Condé sera dans notre main. L'Unip là sera dans notre main. Car celui n'a qu'à d'abord, c'est aux États-Unis. Ils vont lui mettre la chaîne sur ses pieds et ses bras. On va voir. Parce que c'est des éléments à castrer. Puisqu'on ne veut pas leur chromosome. On ne veut pas leur progéniture. C'est ça, madame. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. À bientôt, Inch'Allah. On fait un autre sujet, Inch'Allah, parce qu'ils ont l'air d'aimer ça et tout. Et j'aime bien les menaces là, quand on me dit si tu n'arrêtes pas les directs ou quoi, je vais le faire. J'attends, j'attends le GIGN à cause de mon voile. Alpha est trop petit dans mes histoires. Madame, aujourd'hui nous sommes en France ici, écoutez très bien, nous sommes en France ici. Et ne peut même pas prendre ce genre. Un bon navire d'abord pour descendre ici, puisqu'ils savent que quand ils viennent, c'est nous qui allons leur arrêter et leur enfermer. Moi, je demande mes excuses à la communauté Peul. Et je dis félicitations à la communauté Soussou, qui nous a accueillis à la passeport, en passeport, qui nous a tout donné. Je dis merci aux forestiers de leur patience. Et merci à certains malinqués qui nous comprennent. Et qui oui, il y a des exceptions. Parce qu'on peut aider Malouina à monter l'arbre, mais on ne peut pas aider le crapaud. C'est clair. Donc, c'est comme celle qui venait de vous insulter là. Elle n'a pas insulté parce qu'elle s'est insultée. Elle s'est insultée. Ama y te kolo, ama y re lo, y re lo mbali, miri bali, kroshi bali. Ama y nina se, ala y fa mante mousso nena, n'tou na asugou fwaye. Awa, il est bien. Awa, à bientôt. Donc, c'était Monsieur Fakoly Doumbouya de l'Allemagne. Il est... je pense professeur vétérinaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était très très bien. On va faire un truc comme ça une autre fois, une intervention comme ça, parce que c'était pas sûr qu'il soit là. Donc, ceux qui sont là à dire que d'arrêter ce genre de direct, je vous ai dit, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on me menace. Ça, c'est ma nature. Je n'aime pas ça. J'ai horreur de ça. J'en ai horreur. J'ai des sujets de l'humanité. Mais je suis guinéenne. Donc, je commence par la Guinée. Voilà. J'ai des dossiers. Je suis en train de monter un truc que je vais sortir. Vous allez comprendre. Vous pensez que c'est un jeu. Vous vendez. Vous vendez à vil prix. Bagnon. À un Burkinabé français. Un Burkinabé bas de gamme. Un Français bas de gamme. Alpha Condé. Si vous n'arrêtez pas de m'intimider. Si vous n'arrêtez pas de venir écrire. Je ne sais même pas quoi vous dire. Parce que les gens qui sont là, je les respecte. Vous allez aggraver la situation. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de m'attendre en Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je suis restée en France à peu près 10 ans sans papier. Je me suis passée de la Guinée. Donc j'ai pris un contrat de 6 ans, renouvelable. C'est vous qui pensez que c'est un jeu. Je vous ai dit que je ne suis pas une blogueuse. Je ne suis pas une influenceuse. Je vous l'ai déjà dit. Vous ne voulez pas comprendre. Demandez à vos simbons et à vos féticheurs qui je suis. Ils vont vous le dire. Vous n'avez pas dit que vous savez rendre les gens fous ou folles. J'attends ma folie. Tout ce que vous pouvez faire, c'est venir insulter. C'est tout. Vous ne pouvez rien d'autre où vous attendez en Guinée. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais vous êtes mal barré. Vous parlez dans le vide. La France, la France par-ci. La France est montée. La France a fait ci. La France a fait ça. Et vous, vous avez un Français à la tête de la Guinée? Mais Sékou Touré doit se retourner dans sa tombe. Mais ça ne va pas.
Non, ça peut pas aller. Vous avez un Français à la tête de la Guinée. Alpha, c'est un Français. Un bon Français. Il boit son vin tous les jours en mangeant. Si vous n'êtes pas sûr, allez à ses routouliers. Moi, j'ai déjà mangé avec lui. Donc, je sais de quoi je parle. Je connais Alpha. Il ne m'a rien fait personnellement, face à face. Non. Mais j'aime pas son comportement. J'aime pas le mépris qu'il a. J'ai horreur de ça. J'aime les gens justes et équitables. J'aime pas les profiteurs. C'est un profiteur. C'est Alpha l'arriviste. Il n'y a pas 50 000 arrivistes en Guinée. Le seul arriviste, c'est Alpha. Le seul rebelle, c'est Alpha. Le seul qui fait le complot, c'est encore lui. Mais comme il y a d'autres petits groupes qui vous aident à détester les peuples, qui vous aident à les maltraiter, on commence à comprendre. Celui qui vient de parler, il est de père et de mère Malinké. Il est de Sigiri. Il vous l'a dit ici. Il vit en Allemagne. Il s'est présenté. C'est docteur Fakoli Doumbouya. Il n'est pas caché. Voilà. Donc, avant, c'était ça. Les peuples aiment insulter. Les militants de l'UFDG aiment insulter. Vous vous insultez plus que les militants de l'UFDG. C'est-à-dire, Alors, Bilingouel a rafé. Wallahi. Alors, Bilingouel a rafé. Koroya, nan n'a créé que foule au goût. Koroya. N'a pas encore en rémou la main. Parce que ce que vous faites au peuple là, vous auriez pu faire ça en positif. On serait allé très loin. Mais comme eux aussi, ils ont laissé l'islam, ils sont partis, je ne sais même pas où. C'est le seul problème. C'est la seule chose que moi je reproche à l'ethnie peuple, cette affaire d'islam, c'est tout. Parce que s'ils avaient appliqué ça, même pas au sommet de l'État, appliqué ça dans leur vie de tous les jours, je serais voilée depuis longtemps. J'aurais fait moins de bêtises depuis très longtemps. Et ceux qui viennent écrire des conneries ici, quand les chayatines rentrent dans vos corps, vous venez saboter que moi je donne une mauvaise image. Moi je suis en train de faire la promotion de l'islam là. Oui, c'est l'islam qui m'a sauvé. C'est comme ça que je vais m'habiller. Et je vais parler comme je veux. Je dirai ce que je veux. Ça c'est une connaissance qui vient de Dieu. La justice, il faut être équitable. Il faut, quand tu vois la vérité, il faut dire. Comme vous êtes habitué aux mensonges, vous êtes des menteurs, des haineux, des malhonnêtes. Vous avez pris tout votre comportement déposé sur la tête de l'UFDG. Mais c'est en train de sortir petit à petit. Votre façon de faire, vous avez déposé tout ça sur l'UFDG. Si tu veux aller en Guinée, va en tant que quoi? Alpha, il a riposté où? C'est un touriste, un politicien touriste, non? C'était pas un politicien touriste, votre Burkinabé français là. Donc pour aujourd'hui, moi ça va, c'est bon pour moi, ça me va. Ce n'est pas encore fini. On va progresser, on va avancer. Il faut qu'on se réconcilie avec la vérité. Quand tu veux te rapprocher de Dieu, c'est d'abord d'accepter la vérité, parce qu'il aime la vérité. Mais personne ne peut se rapprocher de Dieu avec le mensonge, avec l'injustice. Vous avez écouté ce monsieur. Oh, les peuples se victimisent. Ah, eux, c'est toujours eux. Vous avez compris le nombre de peuples qui est décédé au Camboiro? Ce qui s'est passé au stade, c'est toujours eux, comme par hasard. Ça tombe toujours sur eux, comme par hasard. Et il n'y a personne pour dire ça. Alors moi, j'ai dit, je vais dire, redire, dire, redire et encore dire. Et vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Je suis sur un truc. Vous pensez que c'est un jeu? Que je suis en train de blaguer? Vous m'avez déjà vu ici danser devant une caméra? Hein? Ou bien mettre de la musique? Je ne suis pas en train de m'amuser. Je sortirai le dossier. Je sortirai des stratégies. On va appliquer cela. On est parti là. C'est un long processus. Cette affaire de peur là, on va tirer ça au clair. Proprement! Proprement! Oui, comme ce sont eux le problème de la Guinée, on va régler le problème. Inch'Allah. Mais vous ne pouvez rien. Hein? Rien du tout. Tout ce que vous pouvez, c'est ce que vous faites là. Vous venez vous insulter. Vous ne pouvez même Alpha, il ne peut rien. Il me regarde.
il me connaît. La seule différence, c'est que j'ai mis le voile. Mais il sait qui je suis. Il sait qu'il ne peut rien. Voilà. Donc, Inch'Allah, à très bientôt. Merci pour les partages, pour les commentaires, les insulteurs. Je prie pour vous que Shaitan sorte de votre corps. Les féticheurs, ça c'est les fétiches qui font ça. Après, vous dites que ce sont vos ancêtres qui vous ont laissé les fétiches. Vos ancêtres ont raté. Il faut reconnaître ça aussi. Les ancêtres ont raté. Parce que tu ne peux pas avoir tous les pouvoirs là que le blanc vient te ramasser. Il te prend comme il veut. Et jusqu'à présent, c'est ça. Et on est tellement perdu. On est tellement perdu que ceux qu'on appelle nos ennemis, ils nous ont fabriqué quelqu'un, nous l'a mené. C'est-à-dire Alpha Condé. Donc je valide que la France ne nous aime pas. Ça, pour ça, à cause de Alpha, je le valide. Parce que c'est un Français. Oui. Et toutes les aides qu'on apporte aux autres, lui, il a reçu plus d'aides que les Gawanna. Alpha a reçu plus d'aides que ceux-là. Moi, j'ai suivi Alpha toute mon enfance. Je connais beaucoup son histoire. Voilà. Donc, je vais encore chercher des gens. Ou ceux qui vont m'appeler. T'es comme celui-là. Vous avez vu? Je vous ai fait écouter. Après, il est venu lui-même. C'est Dieu qui a voulu ça. Il m'a envoyé un message derrière. Et il vous a expliqué. C'est malinqué de souche. Il n'est pas bricolé. Hein? Comme nous, là, c'est papa, maman mélangé et tout. Voilà. Si vous ne réfléchissez pas, vous mettre en mauvaise posture dans l'avenir, pour demain, vos enfants et vos petits-enfants, l'histoire se répète inutilement, de façon inutile, qui ne va vous amener nulle part, mais vous insistez, vous persistez et vous menacez tout le temps les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que vos menaces là vont me faire? Qu'est-ce que ça va me faire? Quand je suis restée en France à peu près 10 ans sans papier, je n'avais pas où aller. Aujourd'hui, je suis française. C'est en Guinée que je ne vais pas aller. Qu'est-ce qui me manque là-bas? Si ce n'est pas le manque, il n'y a rien d'autre. Il y a l'obscurité, c'est sale, les gens sont lâches, c'est t'exploiter, t'escroquer. À gauche, à droite, les gens sont malhonnêtes, ils sont hypocrites. Tout ce qui les intéresse, c'est des petits jetons. Ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas honnêtes. Mais je vais prendre des vacances par rapport à ça. J'ai ma petite caméra, partout où je vais dans le monde entier, je fais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous venez vous insulter, vous vous fatiguez, vous faites des vidéos, vous insultez. Est-ce que je vais regarder? Je n'ai pas le temps là.